Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan accueille le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Pour cette sixième édition, les échanges se tiennent autour du thème de la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie. Organisé par EcoBank, le salon vise à fournir une plateforme dynamique permettant aux visiteurs d'en apprendre davantage sur les meilleures pratiques d'épargne, d'investissement et de gestion patrimoniale. Aller plus loin, c'est aller plus loin avec la jeunesse, avec vous. Et c'est pour ça que pour cette année, nous avons décidé de choisir le thème de la jeunesse, parce que nous pensons que l'épargne n'est pas seulement un concept financier. Au contraire, l'épargne est pour nous un acte de responsabilité envers soi-même, mais aussi un acte de responsabilité envers notre nation et envers les générations futures. Du jeudi 9 au vendredi 10 novembre, experts financiers, représentants de banques et d'institutions financières, ainsi que les entrepreneurs prospères, prennent part à cette rencontre. La gestion de portefeuille, les stratégies d'investissement, la planification successorale, les marchés financiers sont entre autres les sujets abordés. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'éducation est à la base de tout développement. Et l'éducation financière en est une composante à laquelle on ne consacre pas assez de temps ni d'attention. Le salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine constitue alors une vitrine de choix pour en parler, former, trouver des solutions pour son accélération dans notre région. Alors pour moi, c'est un thème qui est bienvenu. Parce que la jeunesse a véritablement besoin de ce genre d'événement pour pouvoir mieux organiser sa vie. Parce que pour moi, l'épargne et surtout l'investissement est un canal qui pourra aider la jeunesse à pouvoir mieux se prendre en charge. En plus des conférences, de nombreux stands sont disposés offrant aux visiteurs l'opportunité d'interagir directement avec les experts présents et d'explorer les différentes solutions d'épargne et d'investissement proposées par les exposants.